Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ce calendrier de l'Avent avec des mignons. Donc là, ce que j'ai utilisé, ce sont ces petits œufs cadeaux que l'on trouve à l'intérieur des Kinder. Et je les ai donc, on va dire, retravaillés en mignons. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ces mignons et ce dont nous aurons besoin. Donc là, on voit déjà la bande bleue et les petits yeux. Ça fera partie des choses que vous devrez prévoir. Donc voilà, j'ai déjà préparé quelques petits mignons, mais on va en faire un afin que vous puissiez voir comment on peut donc les préparer. Donc là, j'ai pris un petit œuf plastique que l'on trouve dans les Kinder. Je vais venir donc dessiner la bande de la tête de mon mignon. Voilà, donc je fais tout le tour. Voilà, j'ai fait la bande et maintenant je vais donc venir dessiner sa bouche. Juste là, donc on peut lui donner des expressions différentes. Je vais lui faire un petit sourire. Mais après, sur d'autres, donc j'ai fait des expressions différentes. Voilà. Maintenant, je vais donc venir coller l'œil de mon mignon. Voilà, donc prévoyez quand même un sachet avec un nombre d'yeux suffisant. Je prends ma colle express, ma colle minute, et je vais venir donc coller l'œil. Voilà, normalement ça devrait être rapide. Et puis maintenant je vais venir coller la bande bleue. Que voici. Donc ça c'est tout simple, j'ai pris du papier bleu, j'ai découpé des bandes. Hein. On va venir la coller donc sur le fond de notre œuf. Donc on va nous aider. Bon là j'ai un pistolet de colle chaude, je vais prendre celui-là. Sinon vous pouvez continuer avec un petit tube de colle minute, ça va aussi très bien. On colle un bout et on enroule. Voilà, et au bout, bien, on va venir remettre un petit peu de colle pour bien fermer la bande. Et voilà notre petit mignon qui est prêt et qui va aller rejoindre ses petits camarades. Donc maintenant donc pour les nombres qu'on vient donc placer ici derrière, donc entre l'œuf et la bande bleue, je les ai préparés donc avec des cure-dents et avec des numéros que j'ai donc imprimés directement chez moi hein, sur une imprimante. Lorsque vous avez découpé donc les numéros, bien vous venez coller le cure-dent à l'arrière, de cette manière. Et voilà. Et vous faites donc 24 numéros pour 24 mignons. Voilà, il est temps de venir donc ajouter maintenant les petits cadeaux à l'intérieur de nos mignons. Donc j'ai opté pour des petits chocolats. Donc à prévoir 24 chocolats ou si vous souhaitez mettre un autre cadeau, 24 petits cadeaux à mettre à l'intérieur de vos 24 mignons. Donc on va d'abord remplir nos mignons avec les cadeaux. Et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que je les dispose au final. Donc là, normalement, la bande bleue devrait bien tenir, mais faites quand même attention en ouvrant le mignon. Hein, il ne faut pas que la bande bleue se déchire. On vient ajouter là notre petit chocolat et le petit numéro. En l'occurrence, ici, c'est le 17. Et voilà, notre premier mignon est finalisé.
Et voici donc la présentation finale que j'ai, pour laquelle j'ai opté. Donc j'ai mis une assiette et je l'ai recouverte donc là de serviettes jaunes, de la même couleur que les mignons. Et j'ai placé mes petits mignons. Et voilà votre calendrier de l'Avent qui est prêt et donc qui est vraiment très rigolo. Ça a beaucoup de succès auprès des enfants. Donc ça, pour l'avoir testé, je peux vraiment vous le promettre. Voilà, et puis si vous souhaitez d'autres idées de calendrier de l'Avent fait maison, j'en ai également d'autres dans les vidéos. Donc visitez ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis, lui donner un like et laisser un commentaire avec vos questions ou suggestions. Merci.